sais ce que c'est la suite d'un régime. C'est une reprise de poids inévitable. Et parfois même plus que ton poids que tu faisais avant le régime. C'est bien dommage parce que le but du régime, c'est quand même de perdre du poids. Et perdre du poids sur du long terme, c'est ce que tu veux, non? Je vais t'aider à perdre du gras sur du long terme. C'est-à-dire ne plus jamais reprendre ce gras que tu galères tant à éliminer. Comment l'éliminer au mieux et comment maintenir une bonne composition corporelle toute sa vie, durer dans le temps, c'est-à-dire pas quelque chose qui va endommager ta santé et être une machine de guerre accessoirement. Ouais. Tout d'abord, tu sais que je t'en parle très régulièrement. Avant de vouloir perdre du gras, quel est ton état de santé actuel? Est-ce que tu peux te le permettre? Est-ce que tu peux te permettre de mettre ton corps en dette d'énergie? Parce que oui, perdre du gras, c'est ça. Donner moins d'énergie à ton corps que ce qu'il va dépenser. Donc, reconnais quand même que le processus déjà de base n'est pas sain dit comme ça. Donc, est-ce que tu peux te le permettre? C'est-à-dire, est-ce que ta santé métabolique actuelle est optimale? Est-ce que tu as un cycle hormonal régulier? Est-ce que tu as une température corporelle et un pouls optimal après chaque repas? J'avais fait une vidéo à ce sujet, je t'invite à la checker. Quelle est ton alimentation actuelle et quel est ton mode de vie? Est-ce que ton mode de vie n'est pas trop stressant actuellement? Est-ce que tu peux faire face à ce stress en mettant en place différentes habitudes telles que la méditation? Parce que crois-moi, te mettre en dette d'énergie, cela va bien évidemment augmenter ton stress. Donc si d'avance tu es déjà stressé, ce ne sont pas les meilleures conditions. Comment est la qualité de ton sommeil? Est-ce que tu dors suffisamment? Est-ce que tu ne te réveilles pas la nuit? Lorsque tu te réveilles le matin, tu es plein d'énergie? Est-ce que ton sommeil est récupérateur? Si ça n'est pas le cas, c'est pareil, ce n'est pas le moment de faire une perte de gras. On traite d'abord problème par problème. Après, quand toutes les bonnes conditions sont réunies, là, on s'attaque à la perte de gras. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Pour avoir une perte de gras durable, c'est perdre du gras tout en maintenant un métabolisme élevé. Je sais, ça paraît paradoxal parce que lorsque nous perdons du gras, nous allons consommer moins de calories. On sait que le métabolisme crée des adaptations et donc qui va s'adapter à cet apport-là, donc diminuer. Mais pour que celui-ci reste tout de même élevé et fonctionne toujours de manière optimale et qui n'engendre pas différents problèmes de santé. Ce que je te conseille de faire, c'est d'alterner des phases de déficit calorique et des phases de maintien calorique absolument indispensables. Alterne généralement des phases de 2 semaines. Ne prolonge jamais un déficit calorique. D'ailleurs, avant de vouloir entreprendre un déficit calorique, ce que je te conseille également, c'est de, on va dire, miser tout sur ton activité quotidienne, ton HIIT et ton activité physique. Si tu te donnes à l'entraînement, mais ça entre guillemets, tu auras de moins en moins besoin de faire attention à ton alimentation. Dans le sens où naturellement déjà tu vas te tourner vers des aliments plus sains qui eux vont t'apporter l'énergie nécessaire pour performer dans l'activité qui te convient. Et en plus de ça, les signaux de ton corps seront assez présents pour que tu l'écoutes et que tu répondes à ton apport calorique qui sera suffisant. La deuxième chose, c'est être patient, ne pas vouloir aller trop vite. Alors oui, ça paraît bateau, non, il faut pas aller trop vite et tout, mais c'est vrai. C'est pour cela qu'il faut que tu aimes le processus, que tu aimes ton alimentation qui t'apporte assez de nutriments, de macronutriments pour répondre déjà à tes besoins physiologiques et tes besoins liés à l'activité physique, que tu aimes ton activité physique, que tu puisses la faire au quotidien naturellement sans te prendre la tête, sans y aller à reculons. On a tous des baisses de motivation, ça fait partie de la vie, c'est autre chose. Mais si ton activité physique te passionne, no problemo. Et en plus d'aimer le processus, il faut accepter le processus. C'est-à-dire, si ta perte de gras est lente, tu es sur la bonne voie. Il faut que ta perte de gras soit lente pour qu'elle soit optimale, c'est-à-dire durable et qu'elle n'endommage pas ta santé. Donc si cette perte de gras est lente, c'est parfait, c'est le processus. S'il y a des périodes de stagnation, c'est parfait, c'est le processus. S'il y a des périodes de doute, c'est le processus. S'il y a des périodes de stress, c'est le processus. On remonte un peu les calories le temps que tout ça se régule. S'il y a des périodes difficiles, c'est normal, c'est le processus. S'il y a des périodes de kiff alimentaire où tu te dis « Mais attends, je suis vraiment en perte de gras là, je suis en train de manger de la glace à Gandas tous les soirs. » C'est le processus, ma gueule. Parce que oui, ce que je te conseille, c'est d'avoir une alimentation qui va optimiser ta santé métabolique. J'ai fait beaucoup de vidéos sur les aliments à privilégier pour ta santé métabolique. Je t'invite à aller voir un petit peu ce qui se passe sur ma chaîne. C'est-à-dire que les plus gros piliers, c'est que déjà, les glucides, tu les gardes jusqu'au bout de ta perte de gras. N'oublie pas que ton cerveau, ne serait-ce que ton cerveau, pour fonctionner, a besoin au moins de 120 g de glucose par jour. 500 calories de glucides par jour pour fonctionner. Donc, même si tu ne fais pas de sport, Buglu au menu. Des protéines, de préférence des protéines non pro-inflammatoires. On sait que les viandes blanches, à terme,
en excès sont pro-inflammatoires. Donc tout ce qui est poulet, en fait, un petit peu tous les stéréotypes du fit game, tu vois, on met de côté. On privilégie l'alimentation locale, de qualité, industrielle, si tu peux éviter au maximum et même ne jamais mettre les pieds dans un supermarché d'ailleurs, c'est bien. Mais pour certaines choses, il est vrai que parfois nous n'avons pas le choix et selon où tu habites, tu n'as pas le choix, mais privilégie la qualité avant. On pense aux graisses saturées type huile de coco qui ont des vertus extrêmement intéressantes pour la santé métabolique. Oui, je privilégie les graisses saturées, je n'ai pas peur de le dire, je crains des gains. J'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet, je t'invite à les regarder avant de me hurler dessus avec tes études de Harvard absolument bullshit. Après, chacun est libre de faire ce qu'il souhaite, hein. Moi je vais vivre longtemps en fait, tu vois. Mon projet c'est ça, vivre longtemps, en bonne santé, être une machine de guerre. Bim. Et la quatrième chose, c'est du kiff, vraiment. Dans ton quotidien, du kiff dans ton alimentation. Intègre des aliments qui te plaisent, qui te font plaisir, même si ces aliments sont sales, entre guillemets, avec modération, bien évidemment. Le fait de les intégrer au quotidien te fera gérer la modération. Bien évidemment, si tu t'es privé pendant longtemps, il est normal que tu finisses le paquet de gâteaux. Là, c'est que tu as joué avec ton corps, tu as joué avec la frustration. Ben, c'est le revers de la médaille. Hein. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est que tu n'es pas là en train de perdre du gras en adoptant une alimentation perte de gras. Tu es là pour adopter un nouveau mode de vie qui va, premièrement, te permettre de perdre du gras si tu en as besoin et te permettre de rester en bonne santé sur du long terme. C'est adopter un nouveau mode de vie, une nouvelle alimentation que tu vas pouvoir garder toute ta vie, qui te convient parfaitement, que tu n'as pas besoin de te prendre la tête, qu'il n'y a aucune frustration, que tu peux sortir au restaurant, que tu peux faire tout ce que tu veux. C'est ça qu'on cherche. En fait, on cherche à vivre. Je vais renommer ma chaîne YouTube. On cherche à vivre. C'est tout pour cette vidéo. Je t'ai présenté les conseils et les erreurs que je vois fréquemment lorsque les personnes veulent perdre du gras et qui oublient que quand même, bah, la vie, en fait, elle est courte, mais elle peut se raccourcir si tu fais des bêtises. Il faut penser long terme. J'espère que cette vidéo t'aura aidé, qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu. Hein. Je le dis jamais parce que tout le monde le dit. Et bah, pourquoi tu le dis alors? En tout cas, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux ici et également sur mon compte Instagram. Ça me fait plaisir de pouvoir vous transmettre toutes ces bonnes ondes et toutes ces connaissances. Ça me fait extrêmement plaisir et votre ouverture d'esprit me ravit. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, comme d'habitude, je t'envoie plein de good vibes. Ciao.